Ma question s'adresse initialement au ministre en charge des Transports. Et je voudrais ici attirer votre attention sur une situation dans le 17e arrondissement de Paris. En effet, depuis 2014, alors que j'étais d'ailleurs maire de cet arrondissement, et encore maintenant avec les élus de la majorité municipale, ainsi que le maire de Clichy et le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, nous avons sollicité l'intérêt de l'État concernant la création d'une bretelle d'accès au périphérique extérieur au niveau de la porte de Clichy. Ce quartier est en effet victime d'une thrombose en matière de circulation. Signe de l'engorgement routier, en heure de pointe, ce sont ainsi 4600 véhicules par heure qui défilent porte de Clichy. Et ce n'est pas par la porte d'Anières, qui est déjà elle-même saturée, que nous allons pouvoir résoudre le problème. L'arrivée du tribunal de Paris, l'arrivée également de la direction régionale de la police judiciaire, et l'aménagement du nouveau quartier des Batignolles, qui, je le rappelle, a vu construire 140 000 m² de bureaux et vu l'arrivée de 3 500 logements, font que cette situation ne peut perdurer. De fait, les ministères de la Justice et de l'Intérieur sont eux aussi en attente de cet aménagement. Les agents du TGI, ainsi que ceux de la direction de la police judiciaire du 36 Bastion aux Batignolles, sont confrontés quotidiennement à l'aggravation des conditions de trafic. Je rappelle également, Madame la Ministre, que le préfet de police de Paris s'est lui-même déclaré favorable à la création d'une bretelle d'accès du périphérique à ce niveau. En effet, l'immobilisation de cortèges pénitentiaires à haute sensibilité fait peser une menace sur les forces de l'ordre ainsi que sur les autres automobilistes. Aussi, dans le contexte des procès liés aux attentats terroristes commis en France, il est impossible de continuer d'ignorer le danger existant. Les études techniques ont démontré la faisabilité, la pertinence de cette infrastructure pour désengorger la porte de Clichy. Le coût de ce chantier serait estimé à 6 millions d'euros. Dès lors, à quelle échéance le gouvernement entend-il construire cette bretelle d'accès au niveau de la porte de Clichy et non seulement fluidifier bien sûr le trafic, mais également surtout améliorer la sécurité des convois pénitentiaires et de l'environnement des habitants. Je vous remercie. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Kuster. Vous interrogez le ministre délégué chargé des Transports à propos des aménagements relatifs au projet de bretelle d'accès au boulevard périphérique au niveau de la porte de Clichy. Avant toute chose, il est important de rappeler que le boulevard périphérique est une voie relevant de la ville de Paris. En vertu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, auquel je sais que le Parlement est très attaché, le gouvernement ne peut pas interférer dans un débat qui appartient aux acteurs locaux. Par ailleurs, comme vous le rappelez, ce projet de bretelle d'accès au périphérique fait l'objet d'un désaccord entre la mairie du 17e arrondissement et la mairie de Paris. La préfecture de police a pu rappeler que la bretelle faciliterait la circulation de véhicules de secours et les convois d'administration pénitentiaire. Les services du ministère des Transports ont ainsi agi en tant que facilitateurs et ont diligenté une étude d'impact sur le trafic dont les conclusions ont été communiquées en 2019. Au-delà de ce projet, l'État suit avec attention la desserte de la porte de Clichy qui a fait l'objet d'aménagements majeurs auxquels l'État a contribué. Je pense notamment au prolongement de la ligne 14 du métro parisien, de la gare Saint-Lazare à la mairie de Saint-Ouen, qui a pour objectif de désaturer la ligne 13 du métro et de desservir un quartier en plein développement. Réalisé par la RATP dans le cadre des travaux du Grand Paris, ce prolongement a été mis en service en janvier dernier et c'est un vrai motif de satisfaction. Ainsi, je peux vous affirmer que l'État prend ses responsabilités quand il doit le faire, mais je dois aussi indiquer qu'il ne peut intervenir en lieu et place des collectivités locales quand celles-ci sont pleinement compétentes. Madame Kuster, vous avez la parole en réponse. Merci, Madame la ministre, d'avoir rappelé en effet la situation dans ce quartier que je connais particulièrement et en effet les efforts qui ont été faits en matière de transport en commun. Néanmoins, vous l'aurez compris, l'interpellation qui était la mienne concerne la sécurité. J'entends que le boulevard périphérique puisse être une voie qui est gérée par la ville de Paris. Néanmoins, pour m'être entretenue avec d'autres autorités, et je veux parler là de représentants de l'État, il me paraît important que l'État joue son rôle et engage une concertation avec la mairie de Paris, ce qui à l'heure
actuelle est loin d'être le cas. Je pense qu'il doit y avoir une volonté politique des deux parties. Ça n'est pas parce que ça appartient à la ville de Paris que l'État doit baisser les bras. Il y a là un danger, je l'ai rappelé tout à l'heure dans ma première intervention, et l'État se doit d'être au rendez-vous. Je compte sur vous, Madame la Ministre, parce qu'il y a une autre question. Vous êtes ministre de la Transition écologique. Ce quartier est saturé en matière de pollution. Ce n'est pas la desserte en transport en commun qui fait que malheureusement, d'autres personnes sont obligées de prendre leur véhicule. Et la thrombose que je vous ai signalée tout à l'heure est un vrai danger. Et je le rappelle, le préfet de police, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice sont en attente. Il appartient maintenant au gouvernement de prendre ses responsabilités et d'engager les discussions nécessaires. Je le rappelle, c'est un coût de 6 millions d'euros. Je pense que là, nous pouvons tous ensemble nous retrouver, ville de Paris, État, pour aboutir à ce projet tant attendu par les habitants de ce quartier.